Aujourd'hui, on va voir comment coudre un sac à tarte. Bonjour les bienveillants. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tuto sur un sac à tarte. Super pratique pour emmener vos tartes, vos gâteaux chez des amis, dans la famille, en pique-nique. Donc alors, votre patron, il fera 76 cm de long sur 45 cm de large, d'accord? Vous découpez donc cette partie-là en deux fois, vous mettez ça endroit contre endroit et vous coupez aux dimensions. Deux anses de 50 cm plus 2 cm, mettez deux anses de 52 cm. Donc voilà. Alors maintenant, vous prenez votre anse de 52 cm. Voilà, on a pris les deux anses, 52 cm. Maintenant, on va les positionner. On prend la moitié de notre largeur, on le divise par 2. Donc là, ça fait 22,5. Je rajoute 10 cm de chaque côté. Et c'est là que mes anses, elles vont aller. Alors, trente-deux cinq ici, et 12,5 ici. Douze cinq ici, 22,5 ici, et 32,5 ici. 12,5, 32,5. 5 c'est ici et 32,5 c'est ici. La moitié c'est 22,5, c'est ici. Donc on prend notre anse à l'intérieur du trait. On met deux pinces. On continue comme ça, on prend comme ça, et là on prend à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on recouvre ceci, et on fait pareil de l'autre côté. On continue tout droit et on revient là. Et là, c'est 32,5. 32. On est ici, donc c'est à l'intérieur. C'est là. Alors, on va vérifier qu'on est bien pareil des deux côtés. On penche comme ça. On fait comme ça et on voit qu'on est juste dessus. Donc c'est parfait. On rentre la l'anse à l'intérieur. Quand on va passer sur les anses pour leur donner un plus gros soutien, on passera plusieurs fois. Donc on met bien ça. On met bien ça bord à bord. On n'enlève pas. On en remet d'autres. Déjà, on attache. Voilà. On met bien bord à bord. Hop. Voilà, nous sommes ici. Voilà, ici c'est tenu. On fait de l'autre côté. On tire bien comme ça parce que les anses, elles prennent un petit peu de volume. Donc il faut bien ajuster sur.
Voilà. On ajuste encore. On ajuste en haut. On ajuste là. Là, il ne peut pas bouger, hein, je vous le dis. Ça, vous êtes tranquille. C'est vrai qu'au début, bah, ça prend un peu plus de temps, mais du coup, le temps, on gagne à la finale. Voilà. Donc là, on va remettre une petite pince ici. Une petite pince partout où vous le souhaitez. Là, on va faire l'ouverture ici pour pouvoir retourner tout ça. Et on va aller à la machine à coudre. Donc là, vous voyez, voici à la machine. Donc, vous rappelez-vous des premiers repères qu'on a fait. Là, c'est le final et ça, c'est le début. Donc, on se met là à 1 cm. On fait point d'arrêt. On peut faire plusieurs fois pour le rendre plus solide. Hein, vous savez bien que j'ai l'habitude de repasser sur mes coutures pour les rendre plus solides. Je veux pas avoir à revenir sur ces coutures là, donc faut les faire tout de suite bien, et comme ça vous êtes tranquille. Là, quand vous allez passer sur l'anse, vous passez plusieurs fois dessus. Donc là, vous enlevez ça et vous maintenez. Là, on est dessus. On recule, on avance, là c'est bien solidifié, on va avancer maintenant vers la deuxième. Voilà. On tourne. Et vous faites ça en fait des deux côtés. Nous voici ici. On va cranter les angles. Hop. On fait les quatre côtés d'un coup. Et maintenant, on va dégarnir un petit peu tout autour. Comme ça, ça fera toujours moins d'épaisseur. Après ça, on va sentir. Et si vous avez une machine qui déteste les épaisseurs, ben ça va lui faciliter les
les choses. On aurait pu le faire à la surjeteuse, hein, ça aussi. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez très bien le faire. Hein. Au contraire. Voilà. Donc ça, c'est bon. On est ici. Et maintenant, on va retourner. Donc, par l'ouverture qu'on a laissée avant. Là, vous montez dans un coin. Et vous pliez comme ça et vous le ressortez de l'autre côté. Comme ça, vous aurez un coin assez coin. Vous faites ça partout. Hop, vous ressortez. Là, il y a de la matière. On prend le troisième coin. Et quatrième coin. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, on va prendre une baguette magique. Pardon, une baguette à tricoter, une aiguille à tricoter. Une baguette magique. Voilà. On sort en premier les coins comme ça. Hop. On fait le plus gros avec ça. Et après, on va être un peu plus précis avec un bouchon de stylo Bic. Après, vous pouvez faire ça avec une pointe de couteau, mais moi, j'ai toujours peur de traverser. Alors, j'évite. Et si vous le sentez, faites-le. Faites vraiment comment vous le sentez. Voilà. Regardez. Je prends la pointe du Bic. Je fais pas de la pub, mais bon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hop, vous voyez là? Vous voyez là? Vous rentrez dedans. Voilà. De ce côté. On fait le troisième, ça c'est quoi? N'hésitez pas, faites-le rouler sous vos doigts pour sortir l'angle. Là, c'est technique, hein. Les angles, voilà. On roule, hop. Donc là, on est là. On va passer. Là, ici, il faut bien que ce soit au bord. On étale comme ça. Voilà, on tire sur les anses. On tire pour bien aplatir tout ça. Mais là, vous voyez, c'est pas aplati.
Alors, on va mettre l'aiguille à tricoter et on va aller en haut aplatir tout pour ça. Aplatir, mettez une petite pince. Voilà, là c'est bon, on fait les deux côtés en même temps. Voilà. Et après, on fait en bas. En bas, en bas, en Là, ça. Oh, c'est un peu mieux là. Et là. Là, ça va être pour notre fermeture. On va passer un coup de fer à repasser. On l'étale comme ça. Donc là, on a cousu tout autour. Maintenant, on va trouver le milieu du sac. On va faire un pli comme ça. On fait un pli. On ouvre. Notre milieu, il est là. Et le milieu, il est là. D'accord? Donc là, on va mettre un 5 et un 5. On fait des deux côtés pareil. Après. Et on continue, on tire bien ici. Hop. De l'autre côté, on fait pareil. Comme ça, pour ranger le plat, ça va être mieux parce que. Comme il y a 3 cm d'ouverture en plus. Voilà. On fait de l'autre côté. On met 6. 2, 4, 6. Comment ça se fait que t'es chaud? Je comprends pas. Je suis pas chaud. Pas chaud. Et là, on va coudre pour refermer. On va coudre ici, ici et là. Donc, voici à la machine. On va commencer par ici.
coupe. On prend de l'autre côté. Et on fait pareil. Je vais commencer. Donc voici notre sac terminé. On a notre petite ouverture ici et on coupe tous les fils disgracieux. Faire finition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé et si vous souhaitez recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Bonne journée et à très très vite.